All of us, nous tous, I mean anybody, je veux dire tout le monde, can be tempted. Peut être tenté. Praise the Lord. Amen. But for you and I, mais pour toi et moi, it is very, very important. C'est très, très important that we do not allow our temptations to be activated. Que nous ne permettions pas à nos tentations d'être activées. Because once temptation is activated, parce que une fois la tentation activée, nobody wants correction anymore. Personne ne veut plus être corrigé. All they want at that time is satisfaction. Tout ce qu'ils veulent là, c'est la satisfaction. Let me see if I can explain this in a different way. Et je vais voir si je peux expliquer ça d'une manière différente. Most parents who have come to see me, la plupart des parents qui sont venus me voir about their children getting married, concernant le mariage de leurs enfants, and I've always asked them this question. Je leur ai toujours posé cette question. Do you think your children are already in love? Est-ce que vous pensez que votre enfant est déjà amoureux? Because when they are already in love, parce que quand ils sont déjà amoureux, it's almost impossible to cut that relationship. Il est toujours impossible de rompre cette relation. The time to cut that relationship, si le moment de rompre cette relation, is before they fall in love. C'est avant qu'ils ne tombent amoureux. That is why I am saying, c'est pour cela, do not let temptation to be activated. Ne laisse pas que la tentation soit activée. Once it is activated, une fois qu'elle est activée, it takes a lot to get it changed. Il faut beaucoup pour que cela change. Once two young people fall in love, une fois que deux jeunes gens sont tombés amoureux, they are only looking how to consummate that relationship. Ils cherchent seulement à consommer cette relation. Praise the Lord. Amen. We must count upon our experience, beloved. Nous devons nous tenir sur notre expérience. If we really need to deal with temptation, pour gérer la tentation, the things that you have gone through, les choses que tu as traversées, use that to build upon your experience. Utilise ça pour construire ton expérience. Not just the things that you have gone through, beloved. Pas seulement les choses que tu as traversées. Listen to the testimonies of others. Écoute les témoignages des autres. Listen to what your spiritual leaders are saying to you. Écoute ce que tes leaders spirituels te disent. That is what I mean by experience. C'est ce que j'appelle expérience. It is not just your personal experience. Ce n'est pas seulement ton expérience. But it's experience. Mais c'est l'expérience of everybody else around you. De quiconque autour de toi. And it will help you. Et cela va t'aider. Praise the Lord. Amen. You need to know, beloved. Tu dois savoir, bien-aimé, we all have weaknesses. Nous avons tous des faiblesses. Don't tell me you don't have a weakness. Non, mais tu n'as pas de faiblesse. You know your weakness. Est-ce que tu connais I know tes my faiblesses? Weakness. Je connais ma she faiblesse. Knows her weakness. Elle connaît sa faiblesse. And deal with those weaknesses. Et traitons avec ses faiblesses. When Jesus came down from the mountain, quand Jésus est descendu de la montagne, Satan knew what? Satan savait that after a 40-day fast, que après 40 jours de jeûne, Jesus had a physical need. Jésus avait un besoin physique. He was hungry. Il avait faim. And he used that weakness. Et il a utilisé cette faiblesse, even to try to tempt Jesus. Pour essayer de tenter Jésus. But it never worked. Mais ça n'a pas marché. Praise the Lord. Amen. Because Jesus knew the word. Parce que Jésus connaissait la parole.